adorable. Notre maîtresse d'école est une femme de taille moyenne, avec un beau teint d'ébène. Son visage lisse et rond révèle des yeux de biche et des lèvres bien dessinées, dont le sourire laisse apparaître des dents éclatantes de blancheur. De ses cheveux noirs et épais, elle fait toujours de jolies nattes élégantes. Elle porte fréquemment des tenues africaines aux couleurs éclatantes. Notre maîtresse taquine et chaleureuse aime beaucoup son métier. Elle veut avant tout notre réussite. Elle s'adresse à nous avec bienveillance et nous fait souvent des recommandations sans jamais élever la voix. Cette femme néanmoins n'admet pas la paresse et exige de nous rigueur et sérieux dans notre travail. Elle contrôle la propreté corporelle et vestimentaire de chacun d'entre nous comme si elle était notre mère. Nous le savons. Aussi faisons-nous tous des efforts pour être de bons élèves. Quand nous avons appris qu'elle était mutée dans une autre école, nous nous sommes mis d'accord pour lui faire une surprise. Nous avons donc décidé de lui offrir un cadeau. Mais quel cadeau? Si nous étions riches, nous lui achèterions un beau bout de fête, dit un élève. C'est bien, mais je pense qu'elle sera plus heureuse si nous lui écrivions un joli poème et donnions à notre classe une allure festive, ajoute le chef de classe. Nous avons donc décoré notre classe avec des guirlandes en papier, apprêté des fleurs et fait de beaux dessins au tableau. Quand la maîtresse est entrée comme à son habitude pour nous faire classe, nous avons tous crié « Vive la maîtresse! Vive la maîtresse !» Et nous lui avons remis le cadeau. Elle l'a pris avec des larmes aux yeux, a dit « Merci mes enfants, au revoir, je ne vous oublierai pas !»